Salut mec, c'est Mani RCA 68 avec Moi. qui nous a fini à l'instant le Obao Hyper SC8. Alors on n'a pas encore les roues d'origine parce que le patron ne les a pas encore collées. La caro, on a une peinte qui va arriver et celle-là, elle va être envoyée en peinture chez LB Painting. On a changé les ressorts de suspension à l'avant par les Obao Hyper MT Sport Plus. Comme ces ressorts sont longs, on a mis des coupelles basses. Ça, je vais m'approcher pour vous le montrer. À l'arrière, on a mis les mêmes ressorts, mais on a laissé les coupelles d'origine, comme les amortos, forcément la même longueur que les 4 du MT Sport Plus. On a remonté la caro à son max, puisque livrée comme elle est, tu as les roues sinon qui vont taper. Bon, même là, hein, de toute façon, après, c'est typique short course, les roues qui vont aller frotter la caro, surtout quand ça va ballonner. Puisqu'à l'intérieur, on a quand même mis, je vous fais un petit tour, avec la caro d'origine, je vais vite vous mettre celle du SC8, que vous voyez la différence. On peut dire que ça, c'est un short course coupé sport. Point de vue look. Merci, très chère assistante. Et tu vois que la caro du SC8, beau. Je suis donc impatient de récupérer les carreaux de Bertrand pour vous montrer ça. Je peux laisser la caro enlever. Voilà. 6S 5000 à bord, donc 650-700 grammes de batterie, Obing Max 8, moteur Léo 42-82. 1680 kV. Et là, un truc qu'il faut faire attention, le pignon d'origine livré est un 13. Avec un moteur de 42, le pignon de 13, ça ne va pas vous toucher ici sur la noix de cardan. Donc, soit vous utilisez un moteur de 42 de diamètre si vous voulez rouler avec le 13. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en fait utiliser un moteur de 42 qui fait plus de 2000 kV. Enfin, même 2000 avec le pignon de 13, ça va être juste vu le faible rapport de transmission ici. Là, on a 1700 kV. En plus, il est extrêmement coupleux parce qu'il est plus long. On a donc un 15. À la limite, le 14, ça pourrait passer, mais c'est chaud, chaud, chaud. Avec le 15, on est à l'aise, on est tranquille. Donc ça, c'est une chose à faire attention. Chose promise, chose due, le câblage est nickel chrome orangé. On a ici la sortie du vario qui va direct dans le boîtier. Le cerveau a son petit chemin par derrière. Évidemment, on a toujours l'ennui de ce bouton on-off qui est livré sur les varios qui n'a plus rien à faire là. Pour moi, les boutons on-off, ça devrait plus exister. Avac. Corne de cerveau d'origine, donc 25 dents, qui va sur la plupart des cerveaux. On a mis un JX 23 kg. Et là, on a mis la batterie à l'avant, donc typique short course, le poids devant, et on est bien à l'aise. On est bien mou, on perd, tu vois, à l'arrière facilement 1 cm ou 2. On a de la marge, l'engin n'est pas trop haut, par contre, il a quand même, si tu as besoin, une bonne garde au sol, tu vois. Il y a de quoi faire, ça passera largement par exemple au forêt chez nous. On a reçu livré avec les petits renforts alu qu'on a montés ici à l'arrière, et on a aussi mis les skid plates, puisque je n'ai plus de skid plates plastiques en stock. Et si quelqu'un d'entre vous veut cet engin, il faut le dire tout de suite, parce que sinon je vais rajouter les pare-chocs RPM par-dessus, je pense SC10B, qu'on laissera donc dépasser par là-dessous, en skid et à, pareil à l'avant. Mais ça on verra. Hein. Nous, c'est sûr, là on a envie d'essayer. Hein. Oui. Parce qu'on vient quand même dans la foulée de finir le Techno, le RC8 et le Obao, et on a envie d'aller rouler, je vous le dis. Mais on va peut-être pas emmener la caméra.